Bonjour, je m'appelle Laure Coussara-Couster, je suis directrice générale adjointe de l'ADI et je travaille à l'ADI depuis 1999. L'ADI est une grande association nationale reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1989 par Marianne Aubac, une économiste de renom, pour pouvoir offrir un accès au capital à tous les entrepreneurs en situation de précarité qui souhaitent se lancer et n'ont pas le soutien des banques. Depuis 1989, le réseau de l'ADI, composé aujourd'hui de 200 bureaux et animé par 800 salariés et 1200 bénévoles, propose ses services à tous les entrepreneurs bourrés de talent qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Deux exemples de collaboration entre l'ADI et BNP Paribas depuis les 30 ans de partenariat. J'ai en souvenir en particulier le programme ambitieux appelé Programme Quartier qui a été développé grâce au soutien de BNP Paribas en 2005 dans la foulée des émeutes urbaines. Et grâce au soutien de BNP Paribas, l'ADI avait pu créer 6 nouvelles antennes dans des quartiers défavorisés de façon à mieux se faire connaître du public des entrepreneurs sur ces quartiers. Un deuxième exemple de réalisation rendue possible grâce au soutien de BNP Paribas à l'ADI, eh bien ce sont les lignes de crédit qui sont chaque année octroyées à l'ADI par BNP Paribas. Et ces lignes, elles permettent à l'ADI de prêter aux entrepreneurs. Depuis 2005, le total de ces lignes se monte à plus de 200 millions d'euros et ce sont 46 000 entrepreneurs qui ont pu être soutenus. Le métier de l'ADI, c'est de faire crédit, mais c'est également d'accompagner les entrepreneurs qui ont été soutenus. Et l'ADI a développé une immense gamme de services qu'elle met à disposition des entrepreneurs avant ou après la création, que ce soit sous forme collective, que ce soit sous forme individuelle, sous forme de formation, d'accès à des experts, d'accès à des coachs. L'ADI reste présente aux côtés des entrepreneurs tout au long de leur aventure entrepreneuriale pour sécuriser leur parcours. Le partenariat entre l'ADI et BNP Paribas a un bel avenir devant lui, que ce soit sous forme de la continuation et l'amplification de ce que nous avons déjà démarré, les lignes de crédit, le soutien en mécénat, mais aussi par l'amplification du dispositif de mécénat de compétences par lequel les collaborateurs de BNP Paribas en fin de carrière viennent mettre leurs compétences à disposition de l'ADI et également en développant des outils à construire ensemble et améliorer, je pense notamment sur la thématique de la transition écologique, afin que celle-ci soit inclusive et concerne aussi les tout petits entrepreneurs soutenus par l'ADI.